Un nouvel espace d'information pour la construction et la rénovation énergétique. À Perpignan, le réseau Énergie Habitat présente au public une maison grandeur nature avec toutes les solutions techniques qui apportent des économies d'énergie. C'est un lieu d'échange et de partage. Il n'y a rien à vendre. On n'a pas de caisse, on n'a pas de stock. C'est juste pour partager, se renseigner et avoir une aide à la prise de la décision, être mis en relation avec des partenaires, entreprises du bâtiment, architectes, bureaux d'études, etc. Donc c'est vraiment à l'heure du tout numérique, à l'heure de la relation digitale, on a voulu prendre un contre-pied et tout ramener à l'humain, à la relation humaine. Ici, les éco-artisans sont validés par l'ADEME. Ils proposent gratuitement aux particuliers un bilan énergétique et aident aux demandes de subventions. On fait les évaluations thermiques chez les propriétaires. Donc qui est-ce qui paye des impôts ou qui n'en paye pas? Et ceux qui n'en payent pas, donc qui sont propriétaires d'une maison de plus de 15 ans, peuvent avoir des aides substantielles actuellement. Et donc, pour une ordre d'idée, pour une rénovation entre une chaudière et de l'isolation de 10 000 euros, ça va coûter que 2 000 euros à la personne. En France, on estime que 75% des bâtiments ne respectent pas les normes d'isolation.